31 mai 2023, jour de joie et d'allégresse. Le président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire a un an de plus et cela se fête. Pour marquer d'une pierre cette journée festive, la Ligue des femmes PPACI de la Fédération de Cocody, avec à sa tête Anne Coudougnon, a participé à une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé de Cocody en Grès. Et comme initié il y a de cela 2 ans maintenant, par la secrétaire nationale technique Dominique Bessé, des visites spontanées ont été rendues dans les maternités de communes du Plateau et de Marcory pour souhaiter la bienvenue au Laurent Gbagbo né ce 31 mai 2023. À Marcory, le candidat Toussaint Dagnini Doucouré a fait don de plusieurs kits aux nouveau-nés. Moment de joie pareil dans la commune du Plateau avec le candidat Guy Mouni. Il a fait son anniversaire et comme vous le savez, c'est un homme au grand cœur, et les socialistes nous a demandé de donner jeunesse aux femmes qui ont accouché cette nuit pour leur bébé. Parce que les enfants, là, c'est l'avenir de demain. C'est sûr que nous comptons. Merci encore et tous mes encouragements. Et je suis le deuxième adjoint maire de la commune du Plateau, le SNT Guy Mouni, le candidat de Laurent Gbagbo au Plateau. En tout cas, voici votre jumelle, Monsieur le Président. Et toute l'Assemblée, en tout cas, vous félicite et vous souhaite un anniversaire. Joyeuse de recevoir à Sindo, en ce jour spécial, les parents ont dit merci et exprimé leur reconnaissance au Président Laurent Gbagbo. La journée de ce 30e mai ne pouvait pas terminer sans une célébration officielle de cet anniversaire par la direction du parti. Au soir donc de ce 30e mai, ils se sont tous retrouvés au siège du parti à la Riviera 3. Président exécutif, secrétaire général, femme du PPACI, jeune, membre du CSP, du CPP, de tous les organes du parti pour la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire. Joyeux anniversaire, Président Laurent Gbagbo. Que cette nouvelle bougie t'apporte longévité, paix, amour et joie.